Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis avec mon frère et on a toujours du mal à lancer une vidéo. Je prends un fou rire. Parce que, je sais pas, on rigole pour rien, c'est ces deux personnages en fond qui peut-être qui nous font rire. On est sur Overcooked 2, je sais pas si vous avez connu Overcooked 1, c'est un jeu de cuisine où nous allons cuisiner et j'ai voulu faire cette série avec mon frère parce que c'est beaucoup mieux à deux. C'est beaucoup plus drôle. J'aurais pu jouer tout seul mais à deux c'est bien. Et à quatre c'est encore mieux, voilà. Mais vu qu'on n'a pas d'amis, on va jouer qu'à deux. On peut le dire. Hein. Non, en vrai, c'est compliqué de jouer à 4, surtout un jeu comme ça. Surtout pour filmer en vidéo. Donc, on va partir pour une nouvelle game, du coup, vous en doutez. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez le découvrir de toute façon. Rien de compliqué. On va devoir cuisiner avec des ingrédients, beaucoup de coopération. J'espère qu'on va réussir à s'entendre, surtout. Voilà. Et cette histoire est basée sur des faits réels. Seuls les noms, les lieux et les légumes ont changé de nom. D'accord. Dracula. Pas du tout. Juste après l'heure du goûter. Ah oui, c'est le roi oignon là. Oh, on l'avait croisé dans le 1. Donc on a les mêmes personnages que dans le 1. Oui. Donc on a choisi nos personnages, hein, on a choisi nos skins. Moi je suis un singe. Moi je suis Mon frère a choisi le morse. J'ai tellement attendu cet instant. Nous avons affronté tant d'épreuves pour obtenir cette noble récompense. Regarde Kevin, regarde bien la légendaire Necrono. Miam. Référence du coup à un Necronomicon. De Lovecraft. Bien entendu. Mais bon, ça il faut s'y connaître. Waf. Quoi? Waf. Comment ça c'est dangereux? Ne sois pas idiot. Ouais, c'est un peu dangereux en effet. Ce livre enferme les secrets de la grandeur culinaire éternelle. Dans un grand bol, dissoudre le sucre dans de l'eau chaude, puis incorporer la levure. What? T'as vraiment une recette dans le Necronomicon. Laissez reposer jusqu'à ce que la levure ressemble à une mousse onctueuse et abondante. Waf. Ah, c'est vraiment une recette quoi. Ouais, bon Ouais, bon, c'est une recette de cuisine, quoi. Couvrir avec un linge humide. C'est pour faire un gâteau? Une pizza? Une pâte à pizza? Quand tu couvres. Et les levez. C'est pour faire un gâteau, je pense. Levez les morts. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment ça. What? Oh, ils sont mignons. Levez à... On est dans la merde, en fait. Non, ce n'est pas ce qui était supposé se passer. Ce n'est pas possible, c'est... Les zombies. Les zombies. Excellent. Non, regarde. On va cuisiner du coup dans le cimetière. Alors il va y avoir pas mal de décors en fait dans le jeu. Ça va changer de décor et le décor souvent bouge tout simplement. Bon là vu que ça va être le didacticiel, je pense pas que ça va être compliqué pour le début. Plutôt. Vous qui êtes mes meilleurs chefs ou plutôt ceux que j'ai sous la main, voyez si vous parvenez à les repousser. Le salaud. Ils ont l'air affamés. Alors hop, allez-y. Hop. Allez au travail. On va devoir leur cuisiner des petits plats. Cuisiner des petits plats. Donc moi je suis en retour. D'accord. Moi je suis le singe. Alors là, on reçoit des commandes. Oh, pardon. Attrape une salade. Ouais, bon, c'est le tuto, regarde. Là, si je veux, je fais rien. Ok. Bon, ça va vous permettre de comprendre le jeu. Nous, on connaît un peu vu qu'on a joué le 1. Oui. Voilà, donc là, il doit préparer une salade. Tiens. Donc là, il me passe une salade. Je la prends. Évidemment, une salade, on la coupe. Bien entendu. Je coupe la salade. Attends, moi, je dois te passer l'assiette. Il me donne une assiette. Je mets la salade dans l'assiette. Merci. Et là, c'est bon, il peut livrer la salade. Ok, formidable. Allez, salade et tomate maintenant. Donc là, c'est salade tomate. Ouais, il le voit, hein, Raphaël. Hein. Je sais que mes amis sont un peu débiles. Je crois que t'as acheté la salade dans la poubelle. Je crois. Je suis pas sûr. Oui. Donc je te donne une assiette. Allez, c'est parti. Tu peux aussi. Salade tomate. Yes, je peux les mettre moi-même aussi. Donc il va falloir se coordonner en fait sur plusieurs mouvements, sur plusieurs tâches. Et c'est ça qui va être compliqué. Là par exemple, je peux prendre les salades et prendre les tomates. Comme ça pour toi, c'est peut-être plus simple. Ah, il faut un concombre. Merde, j'avais oublié de t'en donner un. Voilà, désolé. Là, tu as par exemple mal loué. Ouais, j'aurais dû regarder avant. Donc là, tu peux me rapprocher l'assiette plutôt, mieux d'en faire. C'est vrai, j'aurais pu. J'aurais pu. Mais vu que c'est un tutoriel, on s'en bat les couilles. Donc là, je te donne les ingrédients à l'avance. Donc tu vas avoir la tomate, voilà. Tu vas avoir une autre salade. Donc là, je peux livrer directement la tomate et je te ramène une autre assiette. Bon, on va peut-être s'engueuler, il y a moyen. Hein, sur on va ramener d'autres machins là, par exemple. Ah ouais, je peux te ramener. Faire comme d'habitude. Ouais, putain, il faut rien, il est youtubeur de toute façon. Il fait pas grand chose. Donc là, tu peux me ramener des assiettes. Encore si j'avais faire la cuisine. C'est une question importante ça. Qui. Là, vite, j'ai rien, c'est pas normal. Tiens, je te donne une assiette à couper. Merci. Qui, entre nous deux, c'est le mieux cuisiné? Dans la vraie vie, tu parles? Ah oui, je parle dans la vraie vie là, je parle pas sur le jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, t'as une assiette. Ouais, mais tu m'as chouré. Ah, je t'ai tout donné là. J'ai tout donné, mec. Bon, je te donne plein de trucs, hein. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, non, mais je t'avais tout donné, hein. Oh putain, on commence à s'engueuler, c'est le tutoriel. Tiens, allez. On est dans la merde. Vas-y, t'inquiète, moi je m'occupe du reste. Là, il te faut des tomates.
tomates, ensuite il te faut une salade. C'est bien ça. Je te redonne une assiette à côté. Là je peux pas encore la servir celle-là. Ouais. Il te faut une autre salade après. Je peux la servir. Trop merde fou. Oh, tu me l'as balancé. Tiens. Merci. Elle est tombée par terre, on la sert quand même. Hein. On est dans un restaurant classique hein, où on sert ce qui tombe par terre, bien entendu. On n'aura pas le temps de. Ah, je te la mets dedans. Vas-y, mets-la dedans. Ah, on peut lâcher. Est-ce qu'on peut servir la dernière assiette? Est-ce qu'on peut servir la dernière assiette? Est-ce qu'on peut. Bien joué. Regarde la tête du Morse qui est tout heureux. On s'est bien débrouillé. Bon, de toute façon, on s'en fout là. C'est pas. La horde est insatiable. 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 Waf waf, désolé. J'ai du mal. Non, Kevin ne joue pas les héros, le bâtard. Vite au château, replions-nous. Replions-nous. Il me donne faim le roi oignon. T'as envie de le manger? J'ai envie de le faire en soupe. Ah ouais. Soupe à l'oignon. Ah, moi aussi. Avec le chien, en plus. Avec un peu de chien. Petit wok. Vous êtes peut-être mes meilleurs chefs, mais il vous reste beaucoup à apprendre si vous voulez les rassasier. Kevin et moi, nous pouvons empêcher ces monstres d'enfer dans le château pour l'instant. Mais si les zombies se mettent à sortir de terre à l'intérieur du château, le royaume oignon est perdu. Nous devons faire vite, waf, putain, l'histoire et tout. Mais bien sûr, le camion Snack 500, il vient tout juste d'être amélioré. Une fois de plus, on dirait que c'est à vous, chef cuisinier, de sauver notre royaume. Alors prenez le volant, foncez sur la route, apprenez une nouvelle recette. Et nom d'un oignon, apprenez à mieux coopérer. Putain, il nous a entendu. Mon singe. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça qu'on dash. Prendre la bouffe du chien. Comment? Ah ouais, donc ça va nous être super utile en vrai. Ah, il faut toujours le faire en fait, dès qu'on peut. Il faut spammer le dash. Dès qu'on peut. Ok, il y avait d'autres boutons, mais moi, de toute façon, j'ai pas. Ouais. Bon, c'est la carte de la minimap, quoi. On peut se balader un peu où on veut si on a envie. Ah, c'est toi qui contrôle? Nous deux. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu te rappelles, on se faisait chier avec ça. C'est parti pour le level numéro 1. Les zombies. Les zombies, ouais, c'est sympa. On va essayer d'obtenir à chaque fois 3 étoiles, si possible. On est où là? Dans un dojo? Ah ouais, c'est un restaurant Ils expliquent la nouvelle recette. Un restaurant de sushi. Alors, il y a beaucoup de nouvelles recettes comparé au 1, apparemment, de ce que j'ai lu. Donc là, on va faire des sashimi. Bon, c'est rien de compliqué, faut couper, couper le poisson, quoi. Ok, donc on peut vraiment le faire nous deux, du coup, là, c'est ça? Yes. Pourquoi je peux pas prendre le couteau? Ah merde, d'accord, ok, putain, j'avais pas compris. Hop, là, on le met dessus et on sert. Ok, donc là, on est pas, entre guillemets, pas obligé de coopérer. On peut faire non, un peu. Je le fais. Ah merde, t'es en train de le faire. Bon, tant pis, c'est pas grave, je l'ai coupé. Du coup, je m'occupe que de l'eau de poisson, c'est ça? Oui. Par contre, il me faudrait des assiettes aussi, moi, à chaque fois. Les assiettes sont de ton côté. Hop. Je le sers. En fait, je pense que je vais ramener plein d'assiettes. Et c'est vrai qu'il faut faire la vaisselle aussi, non? Quand on les reçoit, ça. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va pas être très bon au début, hein. Désolé, hein. Ah, on débute. Un peu difficile. Et encore, surtout que là, on a vraiment rien à faire en soi. Hein. C'est toujours la même. Je te donne les plats, en fait, si tu veux les ramener. Vas-y. On fait une assiette. Assiette, hop. Assiette, assiette. Ah, tiens, vas-y. Ça va pas pourrir, je pense. Hein. Tu peux les garder sur le côté, je pense, pour l'instant. C'est ce que je fais. Regarde, là, je me prépare à l'avance. Mm. Tiens, je le donne si tu veux. Ah, de toute façon, moi, je dois. Non, mais ça sert à rien, en fait. Parce que je dois retourner aller chercher des assiettes. Donc, autant que j'aille directement les servir. Prendre l'assiette ensuite à côté, je vais pas t'emmerder. Ah, c'est vrai qu'on peut dasher. Merde, je t'ai pris un. À moi. J'en ai pris un sans faire exprès. Okay. C'est vrai qu'on peut dasher, putain. Ah merde, qu'est-ce que je fais? J'ai mis l'assiette à côté du couteau. Je m'ai perdu. Mais en vrai, c'est. Putain, en vrai, on dirait pas comme ça, mais c'est hyper compliqué. Y'a pas grand chose va, à. Non, mais oui, mais là ça va. Mais. Il faut quand même. Prépare-toi à l'avance. Il faut quand même faire fonctionner son cerveau, quoi. Moi je marche vraiment par étapes quoi. J'en ai, je leur en ai donné alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Merde, du coup on a eu un malus non? Je suis pas sûr. Ou on a rien eu je pense tout quoi. Voilà. Hop, je reprends une assiette. Putain, imagine dans les restaurants il serait aussi rapide. Oh merde putain, pourquoi je prends un de tes trucs? En fait je me trompe avec l'assiette. Bon, soit ça doit se passer comme ça des fois en cuisine. Je pense pas que ce soit aussi simple de faire des sashimi. Non mais genre ça doit dasher quoi. Oh yes. Oh yes que ça dash. Ça dash à mort. Hop. Allez, je vais essayer d'en faire un dernier. C'est largement possible. Tiens, fais-en un avec moi, un dernier. En vrai, on peut livrer le tien aussi. Oh là là, c'est propre. On n'aura plus le temps. Si, vas-y. Oh, pas mal. Pas mal. En vrai, tu vas faire quoi? 1000 d'or. Bon, ah, voilà. Peut-être l'or, il sert.
Ah, c'était juste 300 pour avoir 3 étoiles? Mais oui, mais nous, on est tranquille. Tout, tranquille. Ok, alors est-ce qu'il y a un niveau. Est-ce qu'il y a de. Bah non, puisque le niveau de difficulté, de toute façon, c'est. Ça, c'est les étoiles. Mmh. Donc il n'y a pas de niveau de difficulté. Tu peux pas avoir un niveau de difficulté sur le jeu, de toute façon. Ok, c'est parti pour le monde numéro 2. Donc là, on va rester dans le même restaurant. Je suppose que oui, on va garder. Ouais. Oui, on va sur le. Ah non, le même univers. Oh, putain, ça veut dire que ça va changer de map à chaque fois. C'est trop bien. Ah, donc là, on va pouvoir faire des sushis. Donc faut d'abord préparer le riz. Donc mélanger le poisson, c'est comme le sashimi du coup. On coupe le poisson comme le sashimi. Et ensuite, on le mélange au riz. Oh, il faut le frapper, je crois. Oh putain, la vache, attends. Je fais le poisson, d'accord. Je coupe le poisson. Ok, je m'occupe du riz. Ok, j'ai le poisson. Il faut que je le wrappe, non? Ah oui, je le mets dedans. Faut que tu le mélanges avec du riz. Non. Ok, je le pose là sur l'assiette. Faut attendre du riz. Ok, je continue à couper du poisson du coup. Il faut deux poissons. Là, c'est coupés. Bon. Là. Ok. Vas-y, mets-le dedans. Yes. Je prends le riz. Oui. On le fait comment le riz? Tu le mets avec une assiette. Ok. Merci. Ah! Comment on jette? Ok, attends. Hop. Le riz dedans. De quoi? Je t'ai dit, prends balle. Pourquoi? Ah, il y a des gens en plus, mais qu'est-ce qu'ils foutent aussi dans notre... Cassez-vous! Hop. Il me faut une assiette. Je coupe des morceaux de poisson. Le morceau de poisson, t'aurais dû par exemple le poser dans... Oui, mais non, parce que moi je me concentre surtout sur ça. Oui, mais pose-le dans une assiette. Il n'y avait pas d'assiette ici? Ah, si, bah, j'ai même pas vu. De riz, the fuck? Ah putain, mais je crois que c'était une assiette... Non, mais j'avais pas fait attention en fait. Je vais mettre les... Hop. Putain, on fait toujours la même chose à son là. Ouais. Ça va. Mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Donc ça va être des choses un peu énervantes, hein. C'est les mecs qui sont dans ton restaurant, tu comprends pas pourquoi. En tant quelle idée de créer un restaurant entre deux ponts. C'est les mecs qui sont bien débiles. Après c'est sûr que t'es en communion avec la nature quoi, t'es bien là, mais bon. Merde. Putain, ils ont chourave mon. Ah, ils rigolent pas. Hein. Je te laisse gérer le riz hein. Il arrive. Tiens, j'ai refait du riz là. J'ai pas mis dans la cocotte parce que je savais pas trop. Tiens. Merci. Alors voilà, moi je m'occupe de. Non, moi je m'occupe de faire les. Comment dire d'assembler les aliments. Et toi tu t'occupes de faire le riz. Yes. Bon, on se débrouille, on va dire plutôt bien, ça va. Je fais pas du riz là. Alors, en fait, voilà, c'est surtout ça, il faut toujours avoir une tâche. Là j'ai mis le poisson, je vais rajouter. Hop. Je m'occupe. Toi tu t'occupes de la cuisson, moi je m'occupe de l'assemblage. T'as les dashs, ça n'arrête plus. Merde, j'ai le poisson ici. Voilà, c'est un jeu où je vais bien me mordre la langue tellement je me concentre. Ça je connais. Oh, tu sais, même quand tu te concentres pas, tu te mords la langue donc. Non. Hop. Mais je me concentre toujours. Et voilà, c'est ça le truc en fait, du coup. Il reste 28 secondes, allez, on continue. De toute façon, on peut en faire un infini, il n'y a pas de. Vous avez vu qu'ils nous demandent toujours de faire la même chose et ça s'arrête jamais. On peut pas vraiment être en retard en fait sur le jeu. Je l'avais, mais vas-y. Hop, mets ça, vas-y, mets-en. J'en vois pas. Allez, tu le sers, on peut encore peut-être en faire un. Putain. On peut encore en faire un? Non, on avait arrêté de faire du riz. Oh, je lui sers un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Tiens, tu veux des morceaux de poisson? Tiens, je te vends mon morceau de poisson. Ah, pour boire x4. Ah, on peut enchaîner. Si on enchaîne rapidement, ça fait des fois. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a autant de points. Hein. C'est parce qu'en fait, on s'arrête jamais. Commande mon servi pour boire. Ah oui, les pourboires, 200. Ça veut dire quoi les pourboires? Les pourboires, ça veut dire qu'on respecte bien les. Ouais. Oublie pas de mettre toujours dans des assiettes. Je vois que tu fais un truc. Ouais, mais en fait, des moments, je suis tellement. Je regarde pas en fait. Ouais, mais cherche des assiettes. Genre, si tu vois des assiettes en haut, va le déposer dans une assiette. Ah ouais? Et apporte-les en bas. Nouveau chef. Ouais. Bon, on s'en fout, on va pas changer de perso. Pas sûr que toi, en fait, j'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien. Mais pas les cosmétiques avec les pièces qu'on gagne? Je sais pas si les pièces c'est juste pour indiquer combien on doit faire pour. Ou s'il y a des cosmétiques, quoi, j'en sais rien. Parce qu'avant c'était juste des points, c'était pas des pièces comme ça si je me souviens bien. Ah ouais? Je crois. Je m'en rappelle plus, je t'avoue. Donne faim, burger. 300, ouais. Tout me donne faim en fait. On est encore dans un resto asiat du coup? Les assiettes sales doivent être lavées dans les vies. Oui, maintenant. Ouais. Okay. Ça va encore. Ouais, mais c'est chiant. Bon, allez, c'est parti. Oula, attends. Bon. Il y a des concombres maintenant. En plus. Alors, le poisson, je dois le couper. Je le mets dans l'assiette. Je coupe deux morceaux de poisson. Lui, on peut le servir. Vas-y. Je dois faire du riz. Tiens, du riz. Ah, le riz, il faut l'emmener là-bas. Il faudrait qu'on reste chacun de notre côté. Je reste de ce côté-là, non? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire du riz et tu peux faire la vaisselle, c'est ça?
Ah, je dois faire du riz. Ah, oui, j'ai pas vu. Ah, passe-moi du riz. Passe-moi des machins au milieu. Passe moi, du riz. Passe ouais, t'inquiète, vas-y. Passe. Mais moi, les, tout ce qui est concombre et tout, je peux pas les avoir? Ah non. Tiens, du riz. Merci. Putain, tu me l'as mis directement dans mon truc, j'ai même pas. Tu vas faire quoi? Bien joué. Bien joué, mon frère. Je te donne du riz, encore. Merci. Je te donne deux riz, hein, si t'en as besoin. Je vais couper les concombres, excuse-moi. Hop, dans une assiette. J'ai pas d'assiette. Je peux pas avoir d'assiette, moi, Raph. Ah, je sais que t'as beaucoup de trucs à gérer, toi. Je crois que t'as un plus de trucs à gérer que moi. J'ai bien une assiette, s'il te plaît. Bon, je vais aller la chercher. Ah oui, d'accord, je l'avais pas vu. Moi, j'étais en train de laver. Hop. Mettre ça, mettre les concombres. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des assiettes. Attention, attention, il y a un truc qui est gris. Tiens. Juste mettre du poisson. Faut que tu manges les cocottes. Hein. Ah oui, merde, excuse-moi. Encore des assiettes? J'ai vraiment pas d'assiettes. C'est pas me la rendre là. Aucune assiette. Ah si, je peux prendre un. Si, si, si. Je l'avais pas vu, je croyais que c'était un mur ça. Je prends les assiettes parce que j'en ai vraiment besoin. Serre-toi, serre-toi. Putain, là ça commence à être compliqué, tu vois. Moi j'ai des trucs faciles à faire là. Les poissons, faut que je serve tous les poissons. Tiens, je te passe du riz là. Ouais, c'est tout simple à faire. T'as les assiettes de riz. Full poisson, okay, tout ce qu'il y a dedans là-dedans. Merci, je vais mettre un concombre dedans. Hop, ça, on sert. Formidable. Je vais recouper un concombre. Je vais aller chercher un concombre moi-même. J'ai pas d'assiette de riz là. Merci. Merde, putain, je l'ai mis à côté. Oh, c'est bon. Formidable. Comment on s'envoie des machins? Je veux des assiettes encore, si possible. Là-bas, il y en a. Il faut les laver? Ouais, vas-y. Comment on fait? Ah, je vois pas où elles sont. Où elles sont, les assiettes? Elles sont sales à côté là. Oh putain, j'avais pas vu. Excuse-moi. J'avais vraiment rien vu. Continue à faire des trucs. Hein. Ah, c'est vrai que je trouve ça c'est vraiment compliqué en fait de devoir nettoyer les assiettes à chaque fois. Je trouve ça assez hardcore. Ah merde, il est pas cuit, celui-là? Si. Ah non, il est pas cuit. J'avais pas vu. Je suis vraiment pas bon là sur cette partie. Hein. Je suis désolé. Hein. Oh non, je me suis trompé, putain. Ah, oh, je suis vraiment nul. J'ai pas assez d'assiettes en fait, je peux rien faire en fait. J'ai. Bah, et tu peux venir. Ouais, mais faut que je fasse les poissons, mais j'ai pas assez d'assiettes. Là, t'as plein d'assiettes. Oui, là. Mais il faut que je fasse les poissons. J'ai trop de poissons en fait. Ah. En fait, je fais du poisson depuis tout à l'heure, mais je. Prends. En fait, les poissons, ça va, c'est assez simple à faire. Oh, j'étais mauvais. J'étais trop mauvais. J'ai pas de concombre aussi. Ah oui, faut venir. Putain, je vais les couper. Je vais les couper. Va m'en chercher du coup. On aura pas le temps. Vas-y là, t'en as un à servir. Non, 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 c'était lui en bas. Ah, je me dis là. Ah, j'étais mauvais. J'ai jamais été aussi mauvais. Ah, regarde, ça se voit qu'on était juste. Hein. Oh, j'ai. Ouais, là, tu vois, là, on a été vraiment nul. Moi, j'ai pas réussi en tout cas à gérer. Juste coupe le poisson et les concombres. T'aurais dû juste ça. Couper le poisson, le concombre. T'avais rien d'autre à faire. Non, mais j'avais pas assez de. Ouais, mais faut que je le serve après. Bah, c'est tout. Non, mais j'avais pas d'assiette. J'avais pas d'assiette. Va, on lavait du coup. Ouais, mais j'en ai lavé, mais j'ai fait toujours ça. Mais j'avais pas assez de temps du coup pour couper les poissons, couper les concombres et nettoyer les assiettes. On est bloqué le chien. What the fuck? Découvrez les interrupteurs pour soulever les rampes et pour accéder aux zones autrement inaccessibles. Oh. Oula, non, ça va pas partir en. Oh. On peut passer par là. Un bateau boué. Ah, attends, c'est quoi ça? Vas-y, appuie sur le bouton. Je sais pas. On y va. Bah là, c'est ouvert la rampe là. Il faut rester appuyé dessus. Il faut aller là-bas, non, non, regarde, on peut monter là. Du coup. Ah bah c'est bon. Ouais. C'est un niveau secret de chien? Je comprends pas. C'est des niveaux secrets. Kevin 1. C'est le. 820. C'est peut-être du. Ouais, non, mais c'est un niveau secret. Découper la viande ou les légumes en morceaux, mélanger à la farine et faites cuire le tout à la vapeur. Putain, oh la vache! Découper la viande ou les légumes en morceaux. Donc là, le poisson, on sait déjà faire. Il faut mettre le blé et la viande dans un mixeur. Voilà, ouais. Blé et viande dans un mixeur. Ouais, c'est hardcore. Attends, j'ai la viande, je vais la découper. Il faut que tu me passes du coup du blé. Faut que je le découpe. Non, je dois pas le découper, je le mets directement dans le mixeur. Ok, c'est bon. Tu m'as découpé ça. Je vais découper du poisson. Je sais pas si vous entendez, je sais pas si t'entends, Raphaël, tu parles. Faut faire du poisson vapeur. Là, je vais essayer de rapprocher le. Fais du poisson vapeur actuellement. Tiens, je te donne le plat. Servir? Je sais pas. Je t'ai donné. Non, faut que tu assiette fasses. Assiette nécessaire. Ah, t'as pas mis l'assiette? Bah, moi j'ai pas. Moi je suis en train de faire les. Je peux pas tout faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Bah, je sais pas, Raphaël. Mais je comprends rien. Faut mélanger avec. Bah, tu l'as fait ça, non? Et farine? Non, plus, non, après il y a. Ah, faut le mettre dans. Mais un... oui, après il faut. Merde, putain, j'arrive pas à m'expliquer. Ah, faut les mettre à la vapeur ensuite. Oui, voilà. J'arrivais pas. Non, mais je savais, mais j'arrivais pas à m'expliquer. Tu me passes ça? Bah, c'est prêt.
C'est les mélanges ? Oui, mais tu m'avais passé une assiette vide. Par contre, j'ai pas de. J'ai plus rien, moi. J'ai. Ah si. Oh, eh, j'arrive plus à gérer. Je sais pas ce qui se passe. J'ai trop du mal. Je peux plus couper. What the fuck ? Attends, mais je peux plus couper ma viande. Hein ? Mais je peux plus couper ma viande. Mais elle est coupée. Elle est déjà coupée ta viande, mec. Je peux pas la mettre dedans ? Mais non, 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 je peux pas la couper. Mais. La... Mais elle est pas coupée la viande là. C'est possible. Mais je peux pas la mettre dedans ? Mais. Attends, je comprends rien là. Mais faut... c'est pas de la viande coupée que tu dois mettre dedans. Mais si ? Dans le mixeur, non. Mais si. Mais y'a pas de mixeur. Tiens, ils sont là les trucs à mixer. Y'a pas de bol dans le mixeur. Oh, ah bah voilà, putain, je me disais bien, je croyais que j'étais... C'est à toi de nettoyer. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas nous rejoindre? Oh mon dieu. Ah non, mais c'est... Ça, c'est hardcore. On aura jamais 300 points, là. Non, c'est combien? C'est 800 points qu'il faut. J'ai pas de blé. Vite. Bah, retire du feu, déjà. C'est pas un feu, c'est un... Faut que tu me donnes toujours du blé en fait. J'ai pas de blé. Ok, j'arrive tout de suite. Voilà, et là t'as un bol de bois qui... Oh putain, il faut mettre d'abord le... Oh mais j'ai pas le... Oh, c'est un jeu qui fait rager. Hop. Et de la viande. Assiette sale. Je t'ai donné le wok. J'ai coupé. Assiette sale en haut. Ok. Oh mais j'en ai pas besoin là. J'ai pas de préparation de toute façon. Oui, mais faut les faire à l'avance. Je peux plus me placer de trucs là. Ah non, c'est quoi ça? Merde, j'allais prendre. Je prends pas mon poisson. Ah vite. C'est galère hein, en vrai. On va se louper une commande. Vite, 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 vite. Vas-y. Ok, je remets ça. Là, je peux pas là, attends, faut que je refasse des préparations. Y a pas de. Non, c'est bon. Bon. Non, mais de toute façon, t'as pas fini les préparations donc autant que. Hop. Tiens. Tiens, on se l'est mis dans la gueule. Tiens. Merci. Je vais refaire une préparation. En vrai, ça va, je commence à gérer. C'est juste que. En fait, j'avais vraiment pas compris le système des ustensiles et tout. Donc. En fait, faut que ce soit logique. Une fois que t'as utilisé un plat, faut pas se dire qu'on peut le réutiliser. Genre, moi, je pensais que le mixeur, on pouvait le réutiliser à l'infini sans nettoyer le plat. Par contre, on n'est pas obligé de nettoyer les plats où on prépare la mixture. Oui, oui finalement, oui, c'est qu'il n'y a que les assiettes que tu nettoies. Hop, je veux bien un blé après. Mais bon, de toute façon, il y a déjà de la mixture, donc non, fais pas le blé, on s'en fout du blé. Fais tes préparations, pas une mixture encore. Bien joué, ça. 700. Ah, dommage. On n'aura pas les 800. J'ai envie de recommencer. Alors qu'on a pas compris. On a eu un mauvais début, je pense qu'on peut avoir les 3 étoiles. On va recommencer. Au début, on a perdu au moins 10 secondes. 820, c'est large possible. Alors qu'on s'est pas trompé, mais. Putain, on en a des. Mais il y a combien de chefs? On en avait déjà beaucoup au début. Vas-y, on va recommencer. J'ai envie d'avoir 3 étoiles partout. Au bout d'un moment, on aura plus 3 étoiles de toute façon. Donc on va pas. On n'y arrivera plus parce qu'on n'a pas un niveau qui. Mais on reviendra plus tard si après. Allez, bon, maintenant on sait faire. En fait, il faut au moins le faire une fois pour comprendre comment les machines fonctionnent et après c'est bon. Allez, c'est parti. Tu fasses du blé. Vas-y. Hop, je mets direct la viande, le blé. Je vais recouper un morceau de viande. Là, ça va le faire. Tu vas voir les points. Ça va être beau ce qu'on va faire. Je passe la mixture. Merde. Hop, mixture. Je vais te passer 2 mixtures. Vas-y. Voilà. Ok, je vais continuer à couper de la viande à l'avance. Je veux que tu me redonnes 2 blés après. Ouais. Je vais faire maintenant. Hop, bien joué. Allons, on gère là. Merde. Oh, je l'ai directement. Oui, bah oui, pourquoi pas. Hop. Merci pour le blé. Il y aura de la vaisselle sale à faire. Vas-y. Ok, pas de soucis. Je vais recouper des morceaux de viande. Voilà. La vaisselle est en feu. La vaisselle est en feu, qu'est-ce que je raconte? Le public est en feu, je voulais dire. Hop. Je vais faire la vaisselle tout de suite. On est à 300 points, on a un pourboire x4, donc là on va bien enchaîner. Je t'en mets des assiettes. Ok, nice. Hop, on met la viande, le blé.
Alors vous entendez certainement nos... Parce qu'on oui, martèle, on martèle le bouton parce qu'on est tellement à fond dans le jeu que... Cette salle encore, je vais nettoyer ça tout de suite. Merde, la mixture, faut que je la donne. Hop. Hop. Tuc. Tuc. En fait, faudrait... Ouais, voilà, faut... en fait, faut qu'il y ait toujours deux blés en bas. Tu vois ce que je veux dire? Putain d'assiette. Ouais, attends, je te donne ça, excuse-moi. Non, bref, faut toujours qu'il y ait deux blés en bas. Oui. J'en donne l'autre. Sans moi, je peux préparer mes... Merde. Mixture. Là, il y a plein d'assiettes à nettoyer. Ah oui, merde, excuse-moi. Ah, tu sers vite, toi, putain, la vache. Je vais rester à la vaisselle. Faut qu'on recrute quelqu'un à la vaisselle. Un mec qui fait que ça. C'est un commis. Hop. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Cuisine. C'est pas celui qui s'occupe que de la vaisselle ou du nettoyage ou je sais plus. Ah, peut-être. Un commis, ça me dit quelque chose. Ouais, je sors des termes qui n'existent peut-être pas. Bah, ça existe, si, mais est-ce qu'il fait ça? Je crois qu'il fait un peu de tout en fait, mais c'est un, on va dire un second, c'est celui qui. Qui s'occupe. On va dire des tâches secondes quoi. Qui est le chef quoi. Hop. On a 840. Bon bah, il nous reste 1 minute 20 et on a explosé le score donc. C'est pas juste qu'on avait pas compris les machines, je pense, c'est juste qu'on était vraiment mauvais. Vaisselle. Hop. Yes. On fait de la viande avant. Nanana. Ok. Vaisselle. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es trompé? Ouais. Ah merde, on a juste perdu le x4 du coup. Enfin, juste. Merde, je suis perdu là. T'inquiète, ça va aller. En fait, tu sais comment je vois que t'es perdu? C'est parce que je t'amène plein d'assiettes propres et j'ai le temps de te les amener, tu vois. Ouais. Mais je me suis gouré en fait sur la préparation. Je vois comme ça. Oh le trou. Nananananananana. Merci de nous faire stresser, c'est vachement sympathique. C'est vachement cool de votre part. T'as du blé après, hein. Non, non, t'embête pas, on n'aura pas le temps avec le blé. Je te donne la mixture. Je pense que t'auras même pas le temps avec la mixture. Avec ton personnage qui tombe. Le stress. Bien joué, 1116 points. Bien, c'est bien. Pour au moins faire une fois. Je pense que ça va arriver plusieurs fois, du coup, vu qu'on connaît pas les instruments et la map. On va sûrement recommencer une fois à chaque fois, si on veut les 3 étoiles. Oui. En vrai, une fois que t'as compris... Pff. Mais le plus compliqué, ça va être quand les genre quand ça va commencer à bouger. Quand les mondes vont commencer à bouger et tout. Bon, c'était un monde bonus. Hein. C'était quand même pas facile. En vrai, j'étais... Bah, souvent, les mondes bonus sont plus difficiles, de toute façon. Et celui-là, je l'ai bien aimé, tu vois. Ouais. Tu sais, chacun sa... Ouais, bah en fait, c'est plus facile comme ça, parce qu'au moins, t'es sûr... En fait, le jeu est fait pour, du coup... Tu fasses ça. Tu fasses tes trucs à toi. Alors que quand tout s'est séparé, il te laisse le choix. Ouais. Et là, ça devient compliqué, parce que nous, on sait pas... Il faut direct se donner les instructions. Et ça devient compliqué. Non, mais on va arrêter là pour le premier épisode, je pense. Ça me paraît pas mal. Regarde, what the fuck. Oh, l'arbre. La pâte à modeler. On dirait les ventouses, non? Ça me fait penser. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me dis, est-ce que les gens vont avoir la référence de cette pub? Bon, en vrai, ça ressemble pas vraiment. Mais c'est que nous. Ouais, si, quand même, un peu aussi. Si, j'avoue. Bon, bah voilà, du coup, bon, on continuera la prochaine fois. Bien sûr. On va essayer de. Alors, je sais pas si on va terminer le jeu. Là, par contre, j'en ai aucune idée. On verra bien. Pour l'instant, ça nous plaît. Donc, enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Toi, t'aimes bien? Je m'amuse beaucoup. J'avais genre de m'amuser. Moi je m'amuse beaucoup. Non, c'est cool. Bon, alors du coup, je fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu, vous. On vous dit à la prochaine. Et voilà, tout simplement. À la prochaine. À la prochaine, salut.